Nous allons entamer cette première séance avec un symposium servi. J'appelle professeur Haddou, chef de service de néphrologie de l'hôpital de CHU Mustapha. Et comme thématique, c'est bon pour les reins. Je vous remercie de m'avoir invité. Le laboratoire servi également. Je vois que Sanofi Gold, Silver, Novo, mais il n'y a pas d'épargne diob, et Servier Bronze. Donc je remercie laboratoire Servier de m'inviter et de me laisser libre de parler de ce que je veux. Et donc je vais essayer de partager avec vous quelques notions à travers deux malades. Alors on y va. Je vais d'abord vous parler d'une jeune femme algérienne, 25 ans, on est en 2000. Et toute l'histoire, c'est quoi? C'est comment traiter des personnes jeunes à risque de développer une maladie d'organes, complications organiques de l'hypertension au long terme, et avec quels médicaments, pour ce qu'on appelle les scientifiques la compliance, c'est-à-dire parce que Mirzarhesh, il lui fait que du bien, il n'y a pas d'effet secondaire, il ne la fait pas grossir, il ne la fait pas comme ça, comme ça, comme ça. Alors vous allez voir que sur le plan de la pharmacologie, ça a été un grand combat, pratiquement toujours menée par les USA. Alors, si je prends l'exemple de cette dame, 25 ans, quand on découvre, lors de céphalées, c'est ça, hein, je présente pour des céphalées, il n'y a rien dans son passé, et puis les chiffres tensionnels, comme on dit maintenant, home, c'est ça, on le dit encore? Home, ou la, je ne sais pas, office, office. Diapo, je ne sais pas, voilà. La MAPA a été faite. Donc, il n'y a pas de doute. Elle est hypertendue de jour comme de nuit. Hypertension du sujet jeune. Est-ce que ça existe? J'ai regardé la thèse que j'ai dirigée pendant quelques années avec un collègue interniste à Oran, à l'hôpital militaire pour être précis, qui s'est intéressé pendant 5 ans avec moi sur la HTA des moins de 30 ans. Et alors, il dit qu'il n'y a pas de publication en Algérie. Et que c'est quelque chose peut-être qu'on passe à côté. C'est des achats essentiels. Hein. On parle de l'achat essentiel, on ne parle pas de l'achat secondaire. Et alors, avec lui, on a regardé ce qui se passe dans le monde. Ça vous intéresse? Parce que servir à l'Olerkeo, je t'aime. On peut même parler de sport. Alors, est-ce que l'HTA des moins de 30 ans existe? Oui, il y a des études ici en Iran, la moyenne, homme-femme, Zegi en Chine, Zegi en Inde, et ici en Thaïlande, si je me rappelle bien. Alors, l'Amérique du Nord aussi, l'Europe aussi, donc on a des chiffres dans ces pays. Alors, la France, il dit c'est 6%, UK, il dit c'est 20%. Est-ce que le micro fonctionne? Oui. Alors, l'Afrique, chez nous. Alors, les Tunisiens, une publication dit moins de 8%, au Maroc, près de 20%. Nous, c'est l'étude de Gesmi, chez les hommes, 10, les femmes 7, une moyenne de 8,5. Puis on va dans d'autres pays d'Afrique où ça a été fait. Il y a des pics ici qu'on n'a pas bien compris. Tanzanie. Donc la prévalence de l'HTA du sujet jeune, elle est mondiale. Elle est bien connue, elle est bien acceptée. On a décidé qu'elle est essentielle parce qu'il n'y a pas d'étiologie. Maintenant, si je synthétise le cas de la petite Hadi, c'est une jeune patiente et c'est sûr, l'enquête étiologique, elle est obligatoire. Elle était négative à l'époque. Jusqu'à l'angioscanner, quand je dis à l'époque, très très fort, un prix vif d'Zahir, aorte artère rénale normale. Bien sûr, on a passé au crible l'hypertension de cette jeune femme, Mackensh. Finalement, pas d'étiologie, mais un dilemme thérapeutique. Elle avait 20 ans, il faut qu'on l'accompagne pendant 40 ans, espérance de vie, 60 ans. C'est-à-dire qu'il faut que un médecin soit jeune. Un homme beau, il faut qu'elle soit assurée. Donc ça, c'est notre pays. L'Algérie le permet. La carte Shifa, dans les parents ou la HIA, et un traitement à vie. Ça, grâce à notre pays, grâce à la CNAS. Ah non, il faut que j'avance, je recule. Alors, 10 ans plus tard, 2010, elle revient pour voir son médecin au départ qui avait des céphalées. Entre-temps, elle a arrêté son traitement. C'est tout. D'ailleurs, je ne me rappelle pas ce qu'il lui a mis. Un bêta-bloqueur à l'époque. Il avait mis un bêta-bloqueur. C'est à la mode. Je ne sais pas si vous vous rappelez. En Algérie, dans les années 2000,
c'était sectoral. Je peux aller. Mais c'est quand tu veux dire sectoral, il y en a qui ne sont même pas au courant qu'il y a des nouveaux médicaments. C'est sectoral ou tabac. Et donc elle l'a arrêté. Puis il y avait la grossesse, ils lui ont dit c'est pas bon. Et comme elle se sentait bien, elle a oublié. Et hop, 16-10, 35 ans, 10 ans d'ancienneté d'hypertension, bandelette urinaire négative, alhamdoulilah. Laboratoire, tarak, kaliémie, pas d'anémie, je ne sais pas où qu'elle est, pas d'hématie, mais albumine quand même à la bandelette urinaire par la suite. Aïe, 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 aïe. 2010, on commençait à estimer la clearance. On ne faisait pas que la créatinine. DFG à 55 minutes, très bas. Il devrait être à 80. Et l'ACR qu'on a refait par la suite, on a calculé, c'est 1 à 3. Donc 2000... Alors si on reprend Kima Kharjo à l'époque, l'Amérique, Monsieur Cadigo. Monsieur Cadigo, c'est une association de médecins nord-américains, surtout les USA, je suis au Canada, je suis au Mexique, l'Australie, UK. C'est une association de malfaiteurs. Tous les 5 ans, ils charjouent des recommandations et en fait des codes pour que les gens, codes vestimentaires et un manuel à penser, prêt à penser, pour que les médecins se débrouillent en face d'un malade. Alors si on case notre malade après 10 années et une grossesse bien menée, tant mieux pour elle, elle est G3, le DFG est bas, et elle est A3, l'albumine est au max. Finalement, elle a une maladie rénale chronique, mskina, qu'elle a développée, sous bêta-bloqueur, puis plus rien, elle n'a rien pris. Alors, qu'est-ce que vous présente aussi ce scoring, coloring scoring? Je ne sais pas, je suis en anglais, coloring scoring, c'est le score en couleur. Ben, qu'est-ce qu'il vous dit? Par exemple, ici, le rythme des visites, c'est une par an. D'ici, c'est 4 par an. Quand le DFG baisse, c'est une visite 3 par an. G3. Bien sûr, mais bon, la philosophie, c'est ça. Hein? Et ben, notre patiente, elle est là. Bam! Des années 2000, l'Amérique a décidé d'enterrer les bêta-bloqueurs. Parce qu'il y avait des IEC qui étaient là, et l'ARA de l'Azartan Liban. Pfizer jette blam l'odipine, la mort. Au salat ouah de la bataille. Donc, je vais vous dire rapidement. Donc, le médecin de l'époque décide de mettre un IEC, le perindo, qu'un jdid, qui est ce qu'il y a eu, ta selvi, conversine, et l'AMLO. Entre-temps, la malade est partie en France, hein, Benetna. Elle est bardie. Elle a dit qu'elle pour la grève ou la on ne sait jamais. Alors, Marseille, 20 ans plus tard, 45 ans, 2020, ils font une MAPA sous la bithérapie, mais séparée à l'époque. Ce n'était pas une combi fixe. Les cibles étaient atteintes pour la MAPA de l'époque. DFG restait stable. La albuminurie a baissé. Sans disparaître, mais elle a bien baissé. Et puis, en France, à l'époque, Servier avait mis le Coveram, c'est-à-dire l'association fixe. Heavy. Hop, le bêta-bloqueur est apparu. Comme le DFG bas, furosémide à forte dose, et puis vous connaissez les néphrologues, ils adorent le fer injectable, le calcium, la vitamine D. Si je fais une vue d'avion de la malade, le combat. Notre malade, quand elle a été prise ici, quand elle allait mal après la grossesse, le DFG en rouge, quand elle marche à la dialyse. Et puis on introduit un IEC efficace et de l'AMLO. Et on barre la route à la dialyse. Et plusieurs années après, elle est là. Donc c'est des médicaments, ça c'est une histoire vraie, hein. C'est des médicaments organoprotecteurs. Même mettre sur le cœur, mettre AVC, même. Bon, il faut continuer. Elle a 40 ans. Il faut encore 25 ans d'efforts. De baba, de haba, il ne sera plus là. Et il faut passer la main.
Voilà. Maintenant, les grands combats qui ont été menés aux USA. Les grands combats qui ont été menés. Les IEC, il fallait les imposer, marquer les esprits, parce que les Aradeux arrivaient. C'était Losartan à l'époque. MSD, c'est New York. OK. L'IEC, c'était Chicago. Pfizer, kif-kif, l'amlor. Quand Boston, pour autre chose. Chef, c'est un IEC américain. Quand vous le prenez, voilà, très bien. L'albuminurie, c'est un sujet hypertendu à risque rénal. Sous l'IEC, t'abat la protéinurie. Si vous rajoutez de l'AMLO, combination, t'abat. Ça chauffe. Ils ont attiré l'attention que si vous donnez l'AMLO seul, c'est pas bon. T'atla l'albuminurie. Conclusion, c'est pour ça que la combinaison fixe charjette partout. IEC ou la RA2. L'AMLO, le message. Si vous aimez l'AMLO, c'est votre droit. Si vous croyez qu'elle protège le cardiovasculaire, ce qui est vrai, pendant des années. Mais ne la donnez pas pour des raisons rénales seules. D'abord, vous avez les œdèmes, c'est gênant pour les femmes. Quand vous la combinez, il y a moins d'œdèmes, l'AMLO. Moins, ça ne veut pas dire que ça disparaît. Et pour l'albuminurie, c'est très important. Sous l'AMLO seul, l'albumine tatla, combiné tahbot. Maintenant, les autres manœuvres, Pfizer et d'autres labos se mettent en route pour faire disparaître les bêta-bloqueurs de la panoplie de l'acheteur essentiel. Ils ont, alors, ça commence par les Scandinaves. Ça vous intéresse? Les Scandinaves, ils commencent par attaquer. Ascot, blood pressure, Gal, qui eux, c'est inhibiteur calcique, il faut. C'est le certificat de décès des bêta-bloqueurs, terminé dans l'acheteur essentiel, seul ou en association. Sauf que l'adjourdoct n'audelé. Même 2023, les bêta-bloqueurs pouvaient les mettre, mais s'il y a un petit problème cardiaque, mais comme antihypertenseur, ben c'est ça, c'est ce papier. Et puis un autre papier, là ça en revient à Chicago, Jamersonada, accomplish, un deuxième enterrement de première classe des bêta-bloqueurs. Donc, fin des années 2000, c'était IEC toujours, Amlor jamais seul, Khalko la combinaison fixe, et puis arrivent les ARA2, bon, Bagarbin ARA2 IEC, le match continue, et même les ARA2, on associe l'AMLO. Hadi el hikaya. Maintenant, je vais passer à un autre malade. Ça, c'est un profil de malade. Ou pour garder longtemps cette jeune femme sous antihypertenseur, lui éviter les morts certaines des causes cardiaques, cérébrales ou rénales, il faut lui trouver des drogues qu'elle prend en combinaison fixe, en mono-observance, ou je ne sais pas comment dire, en monoprise. Maintenant, il y a d'autres sujets qui sont moins jeunes, une espérance de vie moins longue, mais pour lequel il faut mettre un diurétique en association fixe. Et ben, quels sont les arguments? Ben, on va le voir. Donc, un petit coucou pour Pfizer, pour Shonada. Servilio, bien. Coveram, c'est servi. Et Marakom, je te dis, Rib alikom. Bon, Hada, Hada, Hadoumous. Bon, on va aller voir Mustafa. Hada, il n'est pas 20 ans, 67 ans. Mouallem, enseignant, à la retraite, consultation en néphrologie. Je passe vite. Il a de la metformine. Bon, il y a longtemps, hein. Et il est connu pour diabétique hypertendu depuis au moins 15 ans, à peu près. 15 ans, oui. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il fume pas, il est tranquille, hein. Côté social, tranquille. Il est hypertendu. Et il a des œdèmes. Et son médecin traitant, Sahbou, Karaou Kifkifé Ouharan, maître de Covid, il vient me voir. Je lui dis, ce matin, tu m'as dit que l'ACR. Il dit jamais. Je lui dis, Sahbou, tu m'as dit que MDRD ou la CKD, il dit jamais. Tu qui veux chier, tu m'as dit.
hypertendu, diabétique, jamais un bilan rénal, jamais une échographie rénale, jamais. Combien tu as de reins? Il m'a dit, il y a 15 ans, diabétique, hypertendu, je ne sais pas combien tu as de reins. Il m'a dit, jamais de reins. Bon, on va faire tout ça. Qu'est-ce qu'on découvre? Bon, il a deux reins de taille conservée, mais chez un diabétique, ça ne veut rien dire. Il a 66 minutes de clearance. C'est la première fois qu'on explore les reins chez Simstafa. Et il est albuminurique, fond d'œil stade 3 et HVG. À tout le moins, il n'était pas bien traité. Il y a un, comment on dit, target organ disease, c'est des maladies des organes cibles. Et il y a un problème. Alors, si je le mets sur l'iceberg de Haddoum, il est là. Bon, il n'est pas au début, il n'est pas au stade de la dialyse, mais il est là. Il risque de mourir. Alors, si je regarde Cadigo, il est là. Il faut un avis néphro, il a bien fait de venir. Pourquoi? Il est ACR3 et il est G2, Bdehbat, le DFG Bdehbat. Qu'est-ce que je fais? J'ai dépassé le temps, là, je peux discuter encore un peu. Kemel, ça vous intéresse? Je n'ai pas de golf. Golf noir de 09-2018, ou Picanto blanche 2014 qui bloque le passage de... Alors la golf c'est un privé, la Picanto c'est un public. Sûr. Ou un cardiologue privé, l'autre généraliste dans le public. Picanto. Ou des mères de famille nombreuses, l'autre jeune cardiologue non marié. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, Asma, Anna Mouatan, je commence, comme disent les recos, par un IEC pas cher, perindopril 5 mg, qu'il soit assuré ou pas assuré, si on regarde les caisses de l'État, c'est 490 dinars TTC. Smahli. Donc je vous invite à réfléchir aux caisses de l'État, notre argent, nos cotisations. Donc 490 dinars TTC pour un mois, c'est un bon médicament. Bon, après vous avez le khortet akomadak, statine, aspirine, metformine. Mais pour ne pas rajouter aux caisses de l'État, c'est bien. Alors bon, perindopril, le Coversil, pour ne pas le citer, à 5 mg, il ne fait rien. Rien ne bouge. Mais c'est trop court, vous allez me dire. Ben, on augmente à 10. Alors, c'est pas maintenant 1000 dinars, c'est 800 dinars. Même pas. Ah non, non, le 10, il est à 700 dinars. J'ai bien regardé de près, 620 dinars. Alors, je m'intéresse au coût parce que ce malade, il va en prendre pendant 10 ans, si vous le suivez. Alors, à 10 mg, ça bouge. Alors, ces profils de malade, qu'est-ce qu'on essaie d'obtenir? Une observance, une monoprise et un suivi pendant 20 ans. Il a, je sais pas, 67 ans, ou je blorbi. Mais c'est ça le but, qu'il n'aille jamais voir un cardiologue, un néphrologue. Il reste chez le médecin généraliste, ici. Il ne voit personne. C'est ça le but. C'est ça le but de nos médicaments et de toutes ces nouvelles. Alors, Anna, j'ai conseillé à ce coco de faire l'association fixe avec l'indapamide. C'est ce qu'il va faire. Et comme il écoute curieusement le Bipréthérax, l'association, c'est 500 dinars. Alors que le Coversil 10 Wahdo, c'est 600. Je n'ai jamais compris où chez Khartov c'est lui. Mais elle est là. Donc je lui dis un argument médical et en plus il y a un bonus à Sward. Eh bien, quand on met un diurétique en même temps, combinaison fixe, rac, 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 rac. Ça y est, Mustafas, il est sauvé. Il n'a plus besoin de néphrologue, ni de spécialiste, ni de cardiologue, ni de khorti. Il est dans le vert. Il est chez vous. Alors la MAPA va confirmer qu'il va très bien. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Ah oui, maintenant il y a les grands matchs. IEC-ARA2. C'est des grands matchs. Alors si on peut les résumer, vu... où se met avec la station internationale? Le FORGA, ISS. Ici, l'albuminurie est élevée. D'aiguille. Pour les reins, pour la néphroprotection, l'albumine est élevée. Ici, l'albumine est très faible. Ça, c'est les boules ARA2 en bleu.
Ça, c'est les boules IEC en rouge. Qu'est-ce qui est en bas? C'est ce qui est en rouge. IEC. Qu'est-ce qui est en haut et en bleu? Les ARA2. Alors, juste un mot pour l'amlodipine. On l'a regardé à l'étude. AMLO. Identité AMLO. Jamais seul, l'AMLO. Comme on a encore 10 lignes de prescription de ces drogues, avant qu'on puisse accéder au GLP-1, ISGLT-2 et de nouvelles molécules qui arrivent, la finérénone, mais vous savez que la finérénone, l'Amérique est au Zahadouf dans le monde. C'est le seul antagoniste de l'aldostérone non stéroïdien. Il est très bien, pas de gynécomastie, moins d'hypercalémie. Ça, c'est fini. L'Amérique, elle est déjà ailleurs. Des mecs l'holna. Ils battent tous jamais à yadron al fin. T'as dans l'arabe, tu fais moi. Je me fais moi, je le gour. Wallah. Ils sont maintenant à la veille de prescrire un inhibiteur de l'aldostérone, sa production dans l'usine, les surrénales. On t'a le hadra. Il y a un grand labo, je ne vais pas le citer. À widget ISGLT2 à gauche, sur le tube proximal. Un ARA2 sur l'artériole efférente et il arrête la production d'aldostérone dans la surrénale. Il inhibe l'aldostérone synthase. Ça, c'est déjà eux. Pendant 10 ans, mais ISGLT2, finérénone, mais eux, ils ont réglé leur problème. Sachez qu'ils sont toujours en avance. Alors, un coup d'œil de ce qu'on fait, nous, en Algérie, actuellement, en 2023. J'ai demandé à ICVIA. ICVIA, c'est un organisme international qui remonte les infos. Qu'est-ce qui se passe sur Terre? Alors, en Algérie, sur Terre, l'Algérien est ARA2. Il n'est pas trop IEC. Allez, la carte chifa, couche batal. Quelqu'un vous a interdit de prescrire 6 médicaments dans une seule ordonnance? Je réchauffe dans un autre pays, dire 2 médicaments. D'abord, ce n'est pas remboursé. Et si vous le faites, vous êtes convoqué. Je veux dire 2 médicaments. Sword. Hna bled al-khir, alhamdoulilah. Inch'Allah, doum. Ah oui, alors, les ARA2, ben, hada, c'est le chef. Quand des ARA2, ils les Algériens. Ils Captoprine, mais alors, il dort. Le ramipril, il est aimé également en Algérie. Moi, le finbé. Sanofi, Triatec. Alors, Hagartoh le Perindo. Pourtant, c'est le moins cher. Comme Hagarino Bzef. Et en association, Hagarino aussi. Voilà. En antagoniste calcique, Haulik. Mais comme je te mets dedans. Avec les diurétiques, qu'est-ce que vous aimez? Ben, toujours les ARA2 avec les diurétiques. Dis-moi. Voilà. Donc, aujourd'hui, je viens faire un peu la pub. Pour au moins quelques années, du Haddomus perindoprenus. Voilà. Alors aujourd'hui, on est toujours Isra, soit calcique, si la buminérie est faible, comme chez la petite de tout à l'heure, 20 ans, ou diurétique, comme chez Simstafa, parce que l'albuminérie est élevée, ou les trois, si la pression n'est pas contrôlée. Et puis, comme je vous le disais, demain, Ntouma, lorsqu'il y a une hypertension rénale avec un DFG bas, une albuminurée élevée, il n'y aura plus d'hydrochlorothiazide. Probablement, même chez nous, les jeunes ne vont plus donner d'hydrochlorothiazide. Alors, la finérénone ou les jets. Khaden Marikan, donc, ils se trouvent parce qu'ils n'en ont plus besoin. Khala, je crois que j'ai terminé, non? Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est ISGLT2, pas versus, mais et. Mais bientôt, ils vont essayer de chasser les IEC et les ARA2. C'est dommage parce que quand vous associez, comme actuellement toutes les études, un ISRA et une SGLT2, vous réduisez le débit de l'artériole afférente et vous débloquez l'artériole efférente. J'ai dépassé mon temps.